Oh là, c'est une dingue, moi. La femelle avec la dizaine, la petite. On les a vu sortir. Voilà, le mâle. En position, il y a l'autre qui est dessous. Il y a 200 mètres. Il faut que tu mettes 6 clics. Il traverse dans la pente en face. Attends. On voit des ours, mais de partout. L'ours, il a réussi les tris qu'il a fait à l'intérieur, mais c'est impressionnant. Le tir est pas facile, Michel. Allez, on y va. Finalement, on a un peu triché. On a sauté dans le pick-up. Faut être rapide. Une drôle d'expédition qui va commencer. On se retrouve avec Denis et nos deux chasseurs, Gabi et Michel. La voiture se barre avec tout notre camp. Et on va être les rois de la montagne parce qu'il n'y a que nous ici maintenant. Allez, dans quelques minutes, vous allez voir, ça va pas durer longtemps. Il y aura déjà les sangliers dans la caméra. Première occasion, on était postés, on était pas mal. Les animaux à 300 mètres, mais ça veut pas faire. Difficile de contrôler le bon, donc ça fait qu'ils se sont barrés. On va essayer de continuer. Okay. Il est dans le travers en face, dans ces chaises là. Il traverse dans la pente en face. Attends, il sort du bouche. Il va sortir, il va y avoir 400 mètres à mon avis, dans la trouée. 396. Oui, il y a 400 mètres à la trouée. Il faut que tu mettes 21 clics. Il est pas plein de travers, hein. Il est légèrement trois quarts arrière derrière la femelle. Allez, on peut y aller. Un peu derrière. Hein. Je recharge, Michel. Il y a un autre sanglier en face. Remets-toi en position. Michel, 375 mètres. Il faut que tu passes à 18 clics. Le tir est pas facile, Michel. Je suis bien. Allez, on y va. Il est tombé raide mort, Michel. Quel tir! Un doublé de sanglier, Michel. Magnifique. Doublé de sanglier, Attila. C'est le plus grand sanglier de ma vie. C'est le plus grand que tu m'as fait tuer, ça, c'est sûr. Oh. Putain, tu m'avais dit qu'il était grand, très grand, mais je pense que c'était pas ce point. J'ai jamais vu ça. T'as jamais vu ça? Jamais. C'est oh, le plus, ouais. C'est mon plus grand. Michel. Il va. Deuxième tour. Là, comme tu me vois. Hallucinant. Je lui ai dit, c'est un monstre, j'ai jamais vu ça. Écoute, là, quand je viens de le voir, il me fait peur. Papa John, good? Papa John, good, very, very good. Je pense que tu m'as fait tuer le plus beau sanglier de ma vie. Ça fait 4 fois que je vis au Tadjikistan. Tu m'as fait tuer quand même une vingtaine de sangliers. Et je pense que c'est le plus beau de très loin. Quoi. Il est très très loin. Il est vraiment magnifique, je ne sais pas comment il fait, mais il est magnifique. Quand je l'ai vu dans la croix, ce sanglier tout à l'heure, j'ai vu que c'était un sanglier monstrueux, gigantesque. Je te rends les honneurs pour ce sanglier, Michel. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup pour ce magnifique sanglier que tu m'as offert. Un sanglier d'exception, comme quoi au 21e siècle, dans les vallées reculées du Tadjikistan, on peut encore tirer des grands Attila. Michel. Merci beaucoup, de voir bientôt. Pour ce magnifique cadeau que tu m'as fabuleux, fait. Fabuleux. Le deuxième, Michel, le doublé? C'est le deuxième Attila en 5 minutes, quoi. Magnifique, quoi. Alors, il y a un peu beaucoup que l'autre, mais il est déjà très très beau celui-là aussi. Mais par rapport à l'autre, il est monstrueux. Merci encore Anto, pour cette fabuleuse journée et sur ce voyage. Tu m'avais dit qu'on allait dans un coin extraordinaire, effectivement. C'est plus qu'extraordinaire. Ils sont magnifiques ici. Ils sont magnifiques et il y a beaucoup de sangliers. Beaucoup, beaucoup. C'est incroyable tout ce sanglier qu'il y a. On a fait une bonne équipe avec Michel et je suis très content parce que réussir un doublé d'Attila en fin de soirée comme ça. Et puis c'est comme d'habitude, on va rentrer encore de nuit noire, pas avant 8h30 au camp. Mais ça, c'est une habitude chez Ovini Expédition. Donc là, c'est le théâtre des sangliers, c'est ça? Mais apparemment, oui, parce que déjà hier soir, on a vu deux compagnies là.
Et je pense que là, aujourd'hui, on a blinqué, franchement. Si aujourd'hui, je tire au pessimisme, c'est que bon, je suis pas bon. Papa, dis non. Non, non, non. Non, quand même. Ouais, ton groupe. Ton groupe. Ton groupe. Da, da. Michel, on va pas pouvoir tirer. On vient de tomber sur une très grosse compagnie. Et j'ai pu voir un mâle rentrer énorme dans le bush. Oh, qu'est-ce que c'est beau. On tire pas, il est pas assez gros. On tire pas? Non, il est pas assez gros. Il y en a d'autres qui descendent. Oh, il y en a partout. Il y en a partout. Ils sont en train de pâturer comme des moutons en plein pré. Ils mangent l'herbe. Je l'ai vu rentrer aux jumelles dans le buisson, le mâle. Mais je le vois pas. Je vais sortir le thermique et on va recontrôler pour voir ce que ça donne. Il dort. Incroyable. Le mot silencieux. Oui, mais on peut pas, on va pas tirer ça. L'autre, c'est un mammouth. Tu l'as pas vu rentrer, mais il est rentré, il s'est couché dans le buisson. Il peut pas être ailleurs. Ouais, c'est lui. C'est le grand mâle. Il est de face, on ne tire pas. Mais c'est lui. Il est gigantesque. Il a des dents énormes. Il va y avoir 360 mètres. 17 clics. Il n'y aura pas de plus. Ok. T'as vu, il est de face quasiment. Ah, je le garde, Tommy. Un peu tard. Là. Là, il est bien. Il tourne, il tourne. Voilà. Mets-toi en position, mets-toi en position. Il y a l'autre qui est dessous, juste en dessous, en contrebas. Ah oui, je vois, je vois. Il y a 200 mètres. Il faut que tu mettes 6 clics. 4, 5, 6. Ok. Allez, quand tu veux, on y est. Il monte dans la pente, mais il y est, Michel. Regarde, il roule, il tombe. Et ben, doublé d'Attila encore. La même chose qu'hier. C'est vrai. De doublé d'Attila, deux jours. C'est sûr, c'est difficile de faire mieux, quoi. Michel, regarde, il y a toute la compagnie qui passe l'arête. C'est fabuleux. Il y a qu'au Tadjikistan qu'on peut voir ça. 5 coups de carabine en 2 jours, c'est 5 mâles par terre. 5 Katina. C'est pas mal. Oh. Ah oui, puis tu vois, des moments comme ça, ça parle de prix. Tu t'imagines, un moment comme ça partagé. Et puis, il veut venir à tout prix avec nous. Et nous, on veut à tout prix avec lui parce qu'il est fantastique. Papa! Papa Joe! Génial! Merci beaucoup, Anto! Merci beaucoup, papa! Papa, merci! Fabuleux! On va aller au résultat! Allez, c'est bon! Il est vraiment gros, je ne m'attendais pas franchement qu'il soit aussi gros. Je ne l'avais pas vu comme ça. Je l'avais vu moins armé, mais là, il est énorme. Mais écoute, Anthony, pour un deuxième sanglier dans une compagnie, et il regarde ce sanglier, il est énorme. L'autre est encore plus grand, mais celui-ci, regarde ses dames. Je te rends les honneurs. Merci beaucoup, Anto. Top. Merci. Il me tarde d'aller là au premier de ce matin, parce que je te garantis que celui-là, il est géant. Ben, il m'a fait impression de dingue. Il est mort là, Michel. Il n'a pas été loué. Là, on est sur le premier coup de carabine. Et le sanglier, il est à 10 mètres dans la pente. La balle, elle était vraiment bonne. Oh, les dents. Oh là, c'est une dingue, moi. Elles sont encore plus épaisses que celles d'hier, quoi. La balle propre. Voilà pourquoi le télescope est indispensable pour checker dans une compagnie, parce qu'il y avait tous les jeunes mâles qui étaient autour de la compagnie et le gros mâle qui dormait derrière. Et regarde ça. Même les dents de devant, regarde, elles sont toutes râpées. Un sanglier qui a pas loin d'une dizaine d'années. Hein. 12 à l'extérieur quand on pense que il y a 2/3, 1/3. Et tu nous amènes chaque fois dans les territoires inaccessibles où personne n'est jamais venu. Et regarde la qualité des sangliers que l'on tire, quoi. C'est fabuleux. On a la chance ici encore au Tadjikistan de pouvoir aller chercher des vallées, des endroits complètement perdus où personne n'a jamais même mis les pieds, en tout cas pour chasser bien sûr, à part quelques bergers qui vivent ici pendant la période d'estive. Michel, ça fait plusieurs voyages qu'il faut au Tadjikistan, mais je crois que là on est en train d'atteindre des sommets, Michel. Hein? Mon prochain voyage avec toi, ça va être difficile pour toi de me faire prélever encore mieux. C'est impossible. On s'est encore fait un beau voyage là, tous les deux. Et puis, on a la chance de tirer encore un grand sanglier. Je te rends les honneurs.
Merci beaucoup, Anto. Et félicitations parce que le tir, il est pas simple et la balle, elle est parfaite et le sanglier, il est là derrière. Bravo, merci Michel. Toi. Merci, Anto. Merci, Anto. Bravo. Voilà, Omar qui est en train de se reposer pendant qu'Anto prépare le feu. Et notre ami Ansouri qui fait la prière. Je pense qu'on va être très sympa ce casse-côte. Je suis désolé, hein, toi qui n'aimes pas trop le pain, tu vas être obligé de te forcer là. Allez, bon appétit. Merci Anto. Oh là 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 là. Faites-moi plaisir, hein, tous les chasseurs qui viennent de Corse, que j'ai pas à vous le répéter quand vous venez. Amenez-nous du figatel. Merci Polo. Hein. Pense à toi Polo. C'est tellement régalé. Faut imaginer, c'est un arbre. Hein. L'ours, il a réussi avec ses griffes, les trous qu'il a fait à l'intérieur, mais c'est impressionnant. Il fait une chaleur de 20 degrés plus, donc ça fait que les sangliers, on les voit quasiment pas en activité, couchés toute la journée. Et par contre, on voit des ours, mais de partout. Super observation sur deux ours. Un des deux, c'est un gros animal. Parmi les plus grands que j'ai jamais vu au Tadjikistan. Il va faire 350-400 kilos. Anthony, il est en train de faire l'approche avec Michel et Gabi. Toujours des endroits super accidentés. Allez, copains. Et moi, je suis en face à essayer de surveiller un peu tout ça. Regarde, trace de l'ours. Bon, là, il est dans sa remise. Il bouge pas. J'espère qu'ils vont y arriver dessus. Allez, gars, allez, Michel. Allez, je sors sur l'arête pour voir si j'arrive à avoir un visuel sur l'animal. Gabi, on va le tirer dans le sol. Tu le vois la tête là ? Tu le prends à la base du cou, il sortira pas de toute façon même de ce sale. Écoute, si t'es bien, tu peux y aller. Bouge pas. Normalement, ça devrait être bon. Il n'y a pas besoin de le doubler. Gâteau. 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 Qui cherche ça? Tu te réalises un petit peu. Je crois qu'il ne sait pas là ce qu'il a dit. Il y a l'état qui se met. Il se fout. Oui. C'est bon. Je pense qu'ils l'ont eu là. On va descendre à voir ça. Il est où? Je pèse aussi gros que celui que j'ai tué il y a 4 ou 5 jours. Il est monstrueux. Il est monstrueux. Ouais. Et après, dans la montée. En 3 jours, on a tué un ours, un loup, un ours. Oh là 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 là. Ce chantier. Je te le cache pas que j'imaginais même pas un truc comme ça. Ah non, ça c'est... Non, non, c'est impensable. Impensable. Mais sacrée émotion, toi, plutôt. Parce que là, quand même, avec ce qu'on a vu ce matin, donc on voit deux ours, on fait une approche vraiment... exceptionnel, plus qu'exceptionnel, puisqu'on arrive à pratiquement à 50 mètres de l'ours avec Anto, mais vraiment plus qu'une approche. Hein. On avait le soleil de face, effectivement, on n'arrivait pas à le voir. Anto m'a dit, tu fais comme ça, comme ça. J'ai suivi à la lettre, là, pouf, immense, c'est de toute beauté. Qu'est-ce que tu veux de mieux pour un gars des Pyrénées qui chasse que le petit sanglier, comme on dit, et t'arrives ici, tu tires un loup, tu tires un sanglier, tu tires des ours, c'est grandiose, c'est... Mes enfants, tout ça, ils diront, tu te rends compte que papy avait Michel, ils ont tué l'ours chacun au Tadjikistan, et ça c'est... Et merci surtout à toi, parce que toi t'es vraiment plus que dévoué pour tout, parce que bon, franchement, t'es un gars exemplaire, plus qu'exemplaire, franchement, je t'apprécie. Le mien était beau, mais celui-là, il est aussi beau. Oh la vache. Jamais vu des ours comme ça. Il
est monstrueux celui-là aussi. Merci. Et celui-là, on était ensemble, les garçons. Il s'est arrêté dans la pente au bon endroit. Mais chez nous, dans les Pyrénées, mais ils sont deux fois plus petits. Hein, Michel ? Il est magnifique, magnifique, magnifique. Vous avez compris que le garçon, il rigole pas, Denis. Il arrive avec tous les sacs. Vu qu'il a vu que ça va payer. Denis ! Merci à tous. Oh, tu savais le bonheur que j'ai. Oui, tu es. Oui, qui shoot. On l'a vu ce matin d'en face, là. On est sorti sur l'arête. Et bon, moi, je suis resté un peu comme une vedette à attendre que vous faisiez l'approche et tout. Bon, vous avez mis du temps parce que vous ne le voyez pas et il était couché là, il ne bougeait pas. Interminable cette attente. C'est mon premier ours. C'est fait. Ah d'accord. En plus t'as qu'à lui, Denis. C'est oui. Moi qui l'ai vu, c'est quelques. On l'avait déjà repéré. Dans le secteur, il y avait pas mal de traces, il ne s'est jamais fait voir. T'as réussi ton coup là. Oh. Il est merveilleux. Si ça continue à faire des températures comme ça au Tadjikistan, je pense que ça va être une destination pour venir chasser l'ours à la place du sanglier, les garçons. On a fait encore une super chasse. Oui. Les garçons, hein. Super, merci à bon vous. Bon moment partagé avec, ah ouais, super. Avec Denis, avec, tous les quatre. Denis, ouais. Super. Je te rends les honneurs pour ce... Eh bien, je te remercie. C'est super. Ours. Les garçons. Merci. Denis. Merci à tous. Bravo les mecs. Merci Denis aussi. Bravo. Bravo. Avec moi, c'est systématiquement retour, lui. Je crois que je n'ai jamais fait un retour avec le jour. Avec le lien à la frontale à la poisson. On aura des sangliers à les rechercher avec quelques petites brochettes, j'espère. Aujourd'hui, on a passé une journée exceptionnelle pour moi parce que bon, on a vu deux compagnies. Et là, sort un joli mâle qui me dit, si tu l'as, Gabi, tire-le. Mais j'ai dit, écoute, je l'ai bien. Moi. Je dis, je tire, je suis bien, impeccable. Et là, j'ai dit, Denis, je ne sais pas ce qu'il dit. J'ai entendu, pouf, effectivement, il est. Alors, honnêtement, on a passé une journée exceptionnelle, fantastique pour moi qui vient des Pyrénées. Comme tu sais, moi je suis que piqueur. J'ai des chiens, j'ai une dizaine de chiens de courant. Mais aujourd'hui, j'ai appris quand même à chasser un peu avec la lunette parce qu'avec des gens comme vous, on ne peut qu'apprendre. Franchement, c'est. Et voilà comment se terminent les journées au Tadjikistan. Très tôt le matin et très tard le soir. On a repéré un groupe de sangliers depuis tout à l'heure. Depuis le travers en face de la montagne. D'après Denis, hier, il y avait un gros mâle dedans qui a basculé sur l'arête derrière une femelle. On pense que c'est probablement le même groupe. On va se mettre en position. Il y a une longue distance, mais le setup de la carabine, il est prêt pour envoyer la balle là-bas, sans problème. Il y a 250 mètres. Combien de clics? Tu mets deux clics. La balle, elle va monter. Deux. C'est quand tu veux. Il est en bonne position. Putain, tu. T'as bien fait. La balle, elle est parfaite. Regarde. La peine un peu basse. D'accord. Tu vois. Ah, ça, c'est une. Ça, c'est une sabre de. Il a dû se battre avec une bataille. Bon, celui-là, il fait plus de 200 kilos. Et ce matin, une belle sortie et un peu privilégiée pour Michel. Il n'a pas un guide professionnel, mais il en a deux pour lui. Mais où on va s'arrêter, Michel? Quelle chance. Deux guides pour moi. Hier après-midi, j'ai vu cette compagnie et à l'intérieur, il y avait ce super animal. Finalement, on les voit, on les approche. Enfin, l'approche n'était pas facile quand même. Pas évident, parce que compliqué. Les femelles, ils étaient un peu énervées. Ils descendaient dans les canyons, donc on descend avec Michel. J'ai mis un peu plus de temps, mais je suis là. Ça avait le coup quand même de perdre peine un peu de temps. Hein, parce que... Ouais, il y avait 230 mètres, c'était un tir. Ouais, bon, c'est pas un tir trop compliqué. Mais il fallait quand même bien placer la balle. Et puis, il y a une petite anecdote un peu bizarre. C'est qu'hier, quand Michel, hier soir, on s'est arrêté au bord du ruisseau, il a bu un coup.
il avait la carabine en travers, et il y avait le silencieux qui est rentré à l'intérieur de l'eau. Il a tout Et quand le silencieux il est ressorti, il y a toute l'eau dans le canon. Et ce matin, quand il a tiré, on avait l'impression qu'il y avait un ballon qui avait explosé de flotte devant le canon de Michel. Incroyable. C'est vrai. Moi, j'ai vu, je ne savais même pas si je l'avais touché. Et je compte non plus. Non, moi, j'ai rien vu non plus. Pendant que Denis l'a vu jouer à la caméra. Ils sont plus grosses les grès que les défenses. Ah, les défenses. Ils sont importantes. Ils sont comme un vieux animal. Ouais. Encore un vieux sanglier du Tadjikistan qu'on a eu la chance de pouvoir prélever. Bravo aux tireurs. Ben, on te rend les honneurs. Merci. Bravo aux guides. À Denis. Bravo les garçons. Bientôt. Merci beaucoup. Bravo, fabuleux. Merci Michel. L'équipe. Cours. Il va me rouler une pelle si ça continue, faut arrêter. T'es chouette comme ça. Est-ce qu'elle aurait dit où les garçons? Pline épaule, bravo Michel. Merci Denis. Et merci à Lou, hein. Allez, Lou, pleine épaule, tu as vu, pleine épaule. Hein. Je t'ai écouté. Vis notre prochaine expédition, abonne-toi et active la cloche.